À 44 ans, Faustine Bollaert fait partie de ces animatrices qui durent à la télévision. Ce dimanche 9 juillet, la présentatrice s'essaye à YouTube en animant Safe Zone. En marge de la diffusion du premier épisode, la mère de famille s'est prêtée au jeu des questions-réponses. Faustine Bollaert est une animatrice télé incontournable du groupe France Télévisions. Outre la boîte à secrets qu'elle anime ponctuellement sur France 3, la femme de Maxime Chattam est surtout connue pour son rôle de chef d'orchestre dans Ça commence aujourd'hui sur France 2. Une émission dans laquelle elle reçoit des inconnus venus parler de sujets graves, dans la bienveillance la plus extrême. Consciente du pouvoir de séduction qu'elle a à l'antenne, la mère de deux enfants a décidé de s'attaquer au monde de l'influence en devenant l'animatrice de Safe Zone. Une émission pensée pour YouTube, dans laquelle elle reçoit des influenceurs venus déballer leur vie, en toute intimité. D'ailleurs, le premier épisode sera diffusé ce dimanche 9 juillet à 19h sur les réseaux sociaux. L'ancienne animatrice du Meilleur Pâtissier recevra Océane Hamsler, une influenceuse qui s'est fait connaître dans Beauty Match sur TFX, puis dans Les Anges 11 diffusé sur NRJ12 en 2019. Faustine Bollaert évoque ce qu'elle n'est pas prête d'accomplir demain, Faustine Bollaert se transforme en confidente pour les influenceurs. Une nouvelle corde à l'arc déjà bien chargée de la mère d'Abby et Peter. Dans un extrait diffusé ce samedi 8 juillet sur la chaîne YouTube de Safe Zone, l'intervieweuse s'est prêtée au jeu des questions-réponses. Un exercice périlleux pour celle qui déteste parler d'elle aux autres, comme elle le faisait savoir à l'humoriste Jarry dans le Jarry Show, le 24 mars 2021. Quand on demande à la journaliste si c'est safe ou pas safe, sûr ou pas sûr, note de la rédaction, d'écrire sa biographie, l'animatrice télé répond par la négative, en prenant le soin de justifier sa réponse. Ça fait longtemps qu'on me demande d'écrire un petit peu et je ne sais pas si je suis encore prête, a-t-elle débuté, avant de faire le pont avec son rôle de confidente dans Ça commence aujourd'hui. J'ai emmagasiné tellement d'histoires que pour l'instant, je suis plutôt en digestion des histoires des autres. À voir si un jour, j'ai envie de raconter un peu plus la mienne, a-t-elle conclu. Faustine Bollaert écrivaine, ce n'est pas à l'ordre du jour. Bye.